Voilà, merci public aimé, bonsoir. Et pour vous, bonsoir Robège, une chanson du plus grand chanteur du monde. Le plus grand chanteur du monde qui est, bien sûr... Au moins, non, le plus grand chanteur du monde qui est... Ah oui, d'accord, ah d'accord. Alors le plus grand chanteur du monde, c'était Hank Williams, qui mesurait 1,97 m. J'étais à dire. J'avais un morceau qui s'appelait Love Sick Blues, c'est une chanson très très triste. Et alors, alors très très triste, mais beaucoup plus triste que ce que vous pouvez imaginer. Et donc, vous allez voir, il y a un passage encore plus triste que la chanson triste au milieu de la chanson. Ce morceau s'appelle Love Sick Blues. Oui. The feeling of the blues, I've never seen one. Lord, I don't know what to do. You know, I just keep trying. I'm a rolling in the beach, sit back. Oh, Lord, I thought I would try. And this can mean to you, she's running and leaving. Man, I held the thing right to them, saying, buddy, how do you go to do? I got the thinking of a Lord, I never heard it seen. That's all I can do. I got the feeling of blue. Use the words here, baby, stupid bug. Lord, I don't know what to do. You know, you hit it right. I rolled in the day, she said goodbye. Oh, Lord, I thought I would try. And she did me, she do you, she might have come to leave me. And I held the thing to watch till she did. I did, you got a beautiful friend. I'm not thinking of a lot. I don't know how that seems. I got to get to you somehow. Oh, now, never know your body now, I'm so lonely. I got the love so blue. Hey, you're a lady. Je tombe la capuche. Ça fait déjà moins Père Noël, mais enfin bon. Je suis obligé de tomber la capuche pour un morceau que je dédie à tous les cinéphiles de la salle. Je sais qu'ils sont nombreux ce soir, en Belge. Messieurs, dames, bonsoir. Ça va faire du bruit sur la cassette, imaginez, ça va faire vachement des ordres. Et puis, il faut enchaîner velu, parce que sinon, en 45 minutes, je vais faire 3 morceaux, ça ne va pas faire sérieux. Un morceau pour les cinéphiles, qui s'appelle... Le morceau s'appelle Speak Softly Love. En français, ça veut dire parler tout bas car on pourrait bien nous entendre. Ce monde n'est pas fait pour des paroles tendres. Vous connaissez pas, ça vous dit rien? Alors, je vous dis pas le titre du film, à vous de reconnaître. On se fait un petit monsieur cinéma de faire. Et je le joue grâce à cet instrument. Ça me chante. Qu'on appelle un mirliton. Et c'est un mirliton appelé en anglais un casou, tient le poil de la barbe de Père Noël, si vous voulez. Ce mirliton a été peint en rouge extrait. Pour qu'on puisse le voir du fond de la salle. Vous le voyez du fond de la salle, on le voit bien. On fait problème. Et maintenant, le morceau s'appelle Speak Softly Love. Attendez, là j'ai besoin d'introduire le. Attendez, qu'est-ce qu'on parle là? Parce qu'il y a une toute la barbe exprès pour laisser passer la bouche là. Voilà.
le film, vous l'avez pas vu? Avec Marlon Brando, qui avait pris exprès 43 kilos de plus pour jouer le rôle. Le film. Le parrain numéro 1. Oh. Je vais parler plus bas, car on pourrait bien nous entendre. Le monde n'est pas fait pour ces paroles tendres. Parler plus bas, on parle en colère. La 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 la, c'est le bénéfice. Je vous dis pas, je l'ai pas vu. Bon, on est qu'à foutre. Bon, mais voilà, puisque c'est ça, je vais vous jouer le premier morceau russe de la soirée. Mais oui, je dois jouer 54 en tout, mais voilà. Alors, c'est des vrais morceaux russes. Maintenant, morceaux russes que vous connaîtrez tous par cœur, parce que morceaux russes qui est beaucoup passé au moins 20 fois par jour sur radio cet été. Et si être radio que vous connaîtrez, au moins entendre-vous 10 fois par jour cet été. Au moins vous 3 fois par jour, chantonner bêtement morceaux pendant que vous faire la vaisselle ou autre chose, ou passer l'aspirateur, etc. Et au moins une fois par jour cet été, vous secouez face à vous sur le morceau. Yeah! Vous connaître le morceau. Mettre le morceau un peu tigane, au début. Et un moins perdre de tonalité. Mon père, ton idée vraiment. Moi, donner ton idée à moi. Et chante, chante, chante. C'est le frère qui me plaît. Oh, je danse, danse, danse. C'est ma façon d'être. C'est le frère qui m'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en moi ce tourbillon de Vanovski. That's where I'm
le parlant. Ami, enfin la belle langue. C'est bien fini cette voix pour toi, mon piano et moi. Que j'y ai travaillé de privatisés, les vallées d'Alcatraz n'ayant pas été renationalisées depuis, est obligé de, une fois par show, une fois par set, d'interpréter une page de publicité. Et donc, pour vous ce soir, au Belge, messieurs, dames, bonsoir, un morceau de Richard Gauthier. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh, donne-nous un peu de ton hommage. Thank you.
But around every young man blazing in the street, how they come and blow you to get over. Bonjour, bon ami. Morning and pulling the famous child. Je te résume la situation, je suis en train d'enregistrer sur cassette alors faire énormément de bruit à la fin. Ah oui, de bruit. C'est pas la peine qu'on retombe tout ensemble, ça sert à rien. Voilà, c'est un morceau de Hank Williams, ça s'appelle les Jambalaya. Les services d'ordre des bons amis. Tout à l'heure, j'ai joué au restaurant, je les ai menacés que s'ils continuaient à être aussi dissipés, j'en jouais carrément un morceau de folk breton. C'est vrai. Je saigne là. Et alors, j'ai dû mettre mes menaces à exécution. Dans un morceau de Gilles Serva qui s'appelle La Blanche Hermine. J'ai rencontré ce matin, devant la haie de mon champ, une troupe de femmes, d'ouvriers, de paysans. Est-ce que si je mettais la barbe, ça pourrait plaisir? C'est juste pour vous mettre en garde, hein. Bonsoir, messieurs dames, bonsoir. Et bonne année. Non, c'est pas ça, l'année. Joyeux Noël. Joyeux Noël de la part du... De la mère Poël. Oh, tu parles sur le tout à suite, d'accord. Je quoi? Alors, Père Noël, bonsoir. Et maintenant, deuxième morceau russe la soirée. Si. Maintenant, être morceau russe qui s'appelle Les Temps la Muguier. Être morceau musique de film Quand passe les cigognes, qui a reçu le premier prix Festival de Cannes, Palme d'Or, 1969. Année érotique, si l'on dit, c'est vrai. Et les paroles françaises sont de Francis Lemarque. Les décors sont de Roger Hart. Et les costumes sont du Père Noël lui-même. Le morceau s'appelait Entendre le muguet. J'ai déjà dit. Peut-être que moi, si mettre la barbe ressemblait plus à Ivan Rekova. Moi, je la mets pour morceau. Morceau russe, chanté par Ivan Rebrov, moi vouloir. Allez, réhabiliter l'hérité historique, Ivan Rebrov en fait est allemand. C'est vrai. Il manque le perruque, mais bon. Mais je ne mets pas là. Voilà, je cherche toujours la bouche. Toujours la bouche. Non, pas mettre la capote, pas soir de Noël. C'est vrai qu'on a besoin de négation. Mais là, c'est pas le truc en antique, c'est pas une capote d'ailleurs. Non. Un morceau plus sérieux s'appelait Le Temps le Muguet, est un morceau très triste. Ça serait bien si ce soir neige tombée, mais neige pas tombée. Tant pis, on fera ça. Et ça me chante, je vais le revenu de l'étang de la Muguet. Parce qu'en russe existait génitif, pas en français.
comme un vieil ami retrouvé, il est revenu flâner les longs des quais. Après partir au rythme. Aujourd'hui, plus beau que jamais, et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire. Aujourd'hui, bien plus beau que jamais. Maintenant, on va être encore plus tragique. Parce que moi, je suis les poils de la barbe, et pas pouvoir respirer beaucoup. Il est reparti, je l'attendais. Chanson datée d'avant la Pérez Troïka. D'ailleurs, vous signalez que la Troïka de M. Pérez gênait ce boulevard. Quand un vieil ami t'a signé pour tout capter, pour se faire oublier. Alors partons, et il nous a laissé un peu des temps, un peu c'est le temps, et aujourd'hui, plus tôt que maintenant, hey, hey, il est revenu, il est débigué, on a bien ami retrouvé, il est revenu, il en est que tu seras toujours. Bravo le danseur. Je vous donne l'occasion de crier pour le double live qui va sortir. Ouais, mais là, s'ils vont pas mettre sur un double live, le mec il dit qu'il s'est dans son double live, ça va sortir rien. Ça va ressembler à la boîte de cacao sur laquelle il y a des filles qui montent une boîte de cacao. Sur laquelle il y a des filles qui montent une boîte de cacao, c'est sérieux. Ce morceau s'appelle 4 fois le chant, les gars. Je veux qu'on fasse tomber. Elle est forte la guitare, je peux pas bastonner comme j'ai l'habitude, je suis très violent. Thank you very much, everybody. Thank you very much. Yeah.